Eh bien salut les amis, c'est Carmendo et on se retrouve aujourd'hui pour la suite de Yoshi's Crafted World sur Nintendo Switch. Attendez, attendez, on est à l'épisode 15 déjà. Mais comme je le dis, ça fait quand même pas mal de temps qu'on est sur le jeu. Et le jeu est vraiment long, même si je le dis à chaque fois. Donc bref, on va pas le répéter encore. J'ai pris le Yoshi bleu, j'ai pas de nouvelle tenue pour lui. Enfin, j'ai pris le bateau, mais c'est pas une nouvelle tenue qu'on vient de débloquer. C'est parce que le bingo Yoshi, il est juste après. Donc on le fera juste après avoir terminé ce niveau. Bref, allez les amis, n'oubliez pas de laisser plein de pouces bleus. Et c'est parti pour les courses. La course héliodynamique. Hélio, ça veut dire le soleil en grec, je crois. Hélios, c'était ça, il me semble. Et donc ça veut dire héliodynamique, genre c'est l'énergie du soleil, c'est ça, non? Je crois que c'est ça que ça veut dire. Parce qu'on voyait en plus des panneaux solaires, donc alors qu'est-ce qu'on doit faire? Piloter la voiture solaire pour arriver en tête de la course. La voiture accélère au soleil et ralentit à l'ombre, ce qui paraît logique. Déplacer Yoshi vers la droite ou la gauche pour changer de voie. D'accord, très bien. Et ben ça a l'air sympa tout ça, ça me rappelle des niveaux dans Crash Bandicoot en fait. Par contre, ouais, il me faudrait des œufs avant. Et je peux les frapper, eux? Oui. Je sais pas si c'est vraiment une très bonne idée, mais... Ah, mais non, mais attendez, mais non. Mais non, mais qu'est-ce que tu fais? Vas-y. Ah, mais... Ah, mince! Ah, il y a des pièces et tout. What? Ah, bah oui, c'est vrai qu'à l'ombre, on s'arrête! Ah, j'avais oublié! Ok, bon, j'ai forcément déjà loupé des pièces rouges, hein, il y a de grandes chances. C'est pas grave. C'est chaud de pas être emporté vers... Ah, non, non, non. Ok... Oh, ouais. Parfait. Je l'avais bien vu. Bon, je pourrais pas tirer sur les machins en plus. Hein. Ça va tirer sur les voitures. Je suis même pas sûr que t'aies vraiment besoin de tirer sur les voitures. Hein. Peut-être que si tu fais bien avec un bon timing, tu peux y arriver sans avoir... D'accord. Sans avoir à t'embêter. J'ai des problèmes avec la perspective, hein, vous le voyez. Oh non, ça va être difficile, non? Ok, très bien. Parfait, c'est quoi ça? Ah, c'est le soleil, ça nous fallait plus vite. Vas-y, vas-y. Yes. Parce que là, devant, ils s'en sortent pas mal. Hein. Genre, ils sont quand même plutôt rapides. Vas-y, toi. Allez, je t'arrête. Non, d'accord. Ok, ça l'a pas arrêté. Oh, là, j'ai vu les trucs. Heureusement que la caméra a bougé. Non. Ah, là, il y avait des pièces rouges que j'ai bien ramassées. Tant mieux. C'est pas facile, mais c'est cool, j'aime bien ce niveau, j'aime bien le concept. Faut revenir au milieu, de base, faut revenir au milieu. Si tu sais pas, tu restes au milieu. C'est là que t'as le plus de chances de t'en sortir. Genre si t'as besoin de bouger d'un coup. Enfin, faut aussi suivre les pièces, hein. Les pièces, elles nous indiquent bien ce qu'il faut faire. Par contre, j'ai quand même un doute, hein. Faut peut-être les avoir quand même, les voitures. Parce que j'ai pas l'impression que je vais les doubler, là. Je suis quatrième depuis le début, c'est pas ouf. Ok, très bien. Ouh, parfait, pas mal. Et on reste là. Oh, on va en doubler une autre. Non. Yes. Ouh là là. What? Il y a des passages en bas, mais je suis pas sûr que c'est une bonne idée d'y aller. Donc je suis premier, les amis. Ah non, de l'ombre. Ok. Enfin, il y avait un tout petit truc d'ombre, mais on sait jamais. Vaut mieux pas aller dessus. Je suis premier, c'est ouf. Et j'ai loupé une pièce rouge au début. Je pense que c'est ça. Enfin, c'est pas sûr, mais... Ouais, si, parce que là, il y en a plus. Je pense que la pièce rouge que j'ai loupée, c'était au début. C'est un petit peu dommage. Après, il y a un truc que je trouve dommage avec ces mini-jeux, c'est qu'à chaque fois, c'est des one-shots. Genre, t'as le mini-jeu, et j'ai l'impression que ces mini-jeux, tu les as qu'une seule fois. C'est peut-être pas le cas, hein, mais pour l'instant, j'ai l'impression que c'est qu'une seule fois. Et c'est un petit peu dommage, parce que ça mériterait que, par exemple, ce mini-jeu, il est très bien. Le mini-jeu aussi de l'avion, il est très bien. Quasiment tous les mini-jeux, jusqu'à maintenant, sont très bien. D'ailleurs, n'hésitez pas à dire dans les commentaires quel est votre mini-jeu préféré de ce jeu. Mais ça aurait été cool, je pense, qu'ils mettent... Plus, ah j'étais à deux doigts d'avoir tout, plus enfin de circuit par exemple de la course héliodynamique là. Ça aurait pu être cool, mais après je sais c'est du développement en plus, etc. Mais vu qu'ils ont développé tout un moteur en fait de gameplay pour ces mini-jeux, ça aurait été bien qu'il y ait peut-être genre 3 déclinaisons à chaque fois. Enfin bref, j'en demande peut-être beaucoup, et peut-être d'ailleurs qu'elles y sont, hein, je sais pas, je suis pas encore à la fin, donc non, je sais que tu veux des trucs, mais non. Mais je sais que tu veux des trucs, ça ne m'intéresse pas. Et Restival, c'était joli. Allez, tu as besoin d'une une bouteille. Vas-y, allez, on s'en va. Je sais qu'il faudra que je jette un œuf. Ça ne m'intéresse pas. Qu'est-ce qu'on va récupérer? Ah, le poisson. Il y a le poisson. Ah, il y a le truc héliodynamique, tiens.
Là, ça coûte aussi, encore une fois, très très cher. C'est de l'arnaque. C'est de l'arnaque. Bah, on va en faire 4, hein. Je dépense 1000, hein. Je dépense pas plus quand même, hein. De toute façon, quand... On a le truc héliodynamique? Ah, cool! Mais on a peut-être aussi le poisson, parce qu'on a eu un truc rouge. En fait, j'aimerais surtout voir comment il s'appelle, le poisson. Même deux trucs rouges, d'ailleurs. Voiture solaire bleue! Il y aura une voiture solaire rouge. En voiture solaire rouge, mais justement! Mais attendez, mais je suis devin ou quoi? Et voiture solaire jaune, d'accord, ça je l'avais pas vu venir, mais pourquoi pas. Et bloc mobile vert, ça c'était un petit peu moche. Bon, je vais prendre la voiture solaire bleue alors, parce que l'autre, les autres c'est des voitures solaires de Mascas, on va pas les voler au Mascas. Le Mascas il est là-haut. Allez, la voiture solaire bleue, super rare. On en a pas beaucoup des super rares, mais on en a quand même quelques-uns, c'est cool ça. Bref, allez, on continue et on arrive bientôt à la nouvelle gemme. Ce sera pas aujourd'hui, je pense, hein. Là, il nous reste un monde à faire d'abord. Allez, vas-y, dépouille-nous, toi. Je suis épuisé, seulement j'avais 15 fleurs. J'ai mis ne rien donner par erreur. Non, 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 vas-y, vas-y. Non, non, ne fais pas demi-tour. Retourne-y. C'était par erreur, c'était vraiment pas fait exprès. C'était vers quoi? Vers quoi? J'ai pas vu. Ouais. Allez, donnez, prends-les, très bien. Vous m'avez dit dans les commentaires qu'il y a un passage. Pour l'ouvrir, ça coûtait 320 fleurs, un truc du genre. Donc c'est peut-être le 100%, j'en sais rien, mais ça va être compliqué, ça va être compliqué. Merci, je me sens bien mieux. Allez, ouvre la pile. Je pense que c'est une pile. Ça va être une usine. Effectivement, on dirait une espèce d'usine. Bienvenue dans la région Ombreville. Oh là, ça va être un peu menaçant, ça. On m'a dit dans les commentaires, quand j'étais dans le niveau avec les zombies, qu'il y allait avoir un autre niveau dans le jeu qui était extrêmement flippant, encore plus flippant que celui des zombies. Et je l'ai pas vu jusqu'à maintenant, donc peut-être que je l'ai vu et qu'en fait il m'a pas fait flipper. Mais peut-être que ce sera là, parce que Ombreville, genre, on ne sait pas. Nuit tranchante. Ah, ça va être une espèce d'infiltration dans une ville de nuit. Il y a moyen que ce soit très beau. Juste dommage qu'il n'y ait pas des musiques exclusives pour chaque niveau. Enfin, j'en demande peut-être beaucoup, mais juste... 3 ou 4 ? Là, c'est toujours la même ! Mais attendez... Il y a un truc là-dedans, hein. Attendez. D'accord, il y a des pièces. Très bien. Par contre, là, j'ai un truc solaire. Sauf que mon truc solaire, eh ben, il marche pas beaucoup, parce que là, c'est la nuit, hein. Donc du soleil, il y en a pas beaucoup. Ok, what ? S'il vous voit, partez vite. Lui? Oh non! Ah d'accord, bah alors j'en parlais, ça doit être lui justement le niveau chelou. Un clown tueur? What? Sérieusement? On peut le tuer? On ne peut pas, on ne peut pas. D'accord, oh là 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 là. Il peut pas sauter, ça c'est cool. Mais il est stressant! Genre ils ont mis un clown tueur dans Yoshi, ils ont osé. Attendez, est-ce que la lumière ça le... Viens ici, je suis là, viens là. Ah il court plus vite que moi. La lumière, ça l'arrête, d'accord. C'était juste ce que je voulais tester. Ouh, oh, salut Lakitu, tu nous envoies quoi? Ah, des méchancetés, d'accord. Eh, mais non. Ok, j'ai dépensé tellement d'eux pour rien du tout. Génial. Normalement, le Lakitu, il réapparaissait avant. Je sais pas s'ils vont encore réapparaître. Ok. Cette fois, ils envoient des trucs de pique, mais il n'y a pas de hérisses qui en sortent. Enfin, tant mieux, hein, on va pas se plaindre. Il n'y a pas de hérisses dans les Yoshi, je crois. Ce sont les bobos, ils font déjà le travail des hérisses. Ça suffit, hein. Faut pas en demander trop. Oh non, 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 non. What? Mais comment tu peux faire pourtant? T'es obligé de te faire toucher, non? Genre, il y a des zombies, un clown tueur, c'est quoi cette histoire? Ils sont fous, la Nintendo. Enfin, good feel. Oh là 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 là. Genre, on aurait peut-être pas dû s'aventurer ici. Ok, non, 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 laisse-moi. Ok, il peut pas descendre. Et il essaye de nous trancher à la hache quand même, hein. C'est pas ce que j'appelle être sympa, ça. Ah, pièce rouge, probablement pièce rouge. On peut lui sauter au-dessus, ça, par contre. Oh non, on peut pas vraiment... Enfin, c'est difficile. À cause de sa hache, c'est difficile de lui sauter au-dessus. J'ai déjà perdu ma tenue, quoi, c'est ouf. Enfin, je l'ai pas perdu, mais presque. Oh non, là, c'est sûr qu'il y a des pièces rouges en bas. Vas-y, détruis l'autre truc, toi. Non, va-t'en, va-t'en, va-t'en. Je sais pas s'il va s'en aller. Hein. Oh là 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 là. Non! Non, sérieusement! C'est ce machin-là qui me fait peur de ma transformation. Enfin, pas ma transformation, mais ma tenue. Oh là 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 là, ça va être horrible. Là, j'ai un petit peu peur quand même. Avec les clowns dans ce genre de niveau, ça va certainement pas être facile.
Ah, comment je fais pour aller en bas? Ah, probablement ici. Je pense. Attendez. C'était sûr. Heureusement que ce niveau, quand même, ça a l'air d'être un one shot. Genre, qu'il y a ce niveau avec ce thème et qu'après, on en sera probablement débarrassé. Parce que c'est un petit peu flippant quand même. Pas de pièces rouges? Non, absolument pas. D'accord, bon, en tout cas, on a eu plein de pièces, c'est cool quand même. Merci pour rien du tout. Dès qu'il y a de la lumière, ça veut dire qu'il va y avoir un clown dans le coin. On peut vraiment pas lui faire de dégâts, mais non. Comment tu fais? Ah, il m'a vu. Ah, mais c'est bon, en fait, il est de tense. Ça, d'accord. J'ai potentiellement loupé. Oh là là, on peut pas lui passer derrière comme ça? Attendez. Non, j'ai rien loupé? Ah, j'en étais sûr! Mais non! Je perds trop de vie, c'est ouf. Ah, d'accord, ok. J'ai compris. J'ai compris comment les éviter. Mais, oh là 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 là. Oh non, il y a un truc, sérieusement, ils sont... Non, ils sont pas sérieux. Ils ont mis le truc au pire endroit. Je peux le tuer maintenant? Non, je peux même pas. Hein. Et c'était sûr que ça allait être une fleur en plus. Oh là là là, prochain coup, je crois que je meurs. Hein. Peut-être pas prochain, mais dans... Non, parce que c'est vrai que ça nous ramène à une vie, je crois, dans tous les cas. Oh là 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 là, ils sont pas sympas, eux. Ah, merci, ça c'est gentil. Attendez, elle est bizarre, cette salle. Très étrange, il y a un truc qui va débarquer ou quoi? Il y a un clown, là. Oh là! Il n'y avait pas qu'un clown d'ailleurs, il y avait plein de clowns. Toi, c'est pour allumer des lumières, oh. On dirait. C'est quoi ce robot? Un robot grenouille. Faudra peut-être le trouver d'ailleurs dans le niveau. Alors, il arrive par l'arrière. Oh, oui. Ah, mais il y a un cadeau. Comment je vais faire pour l'avoir, le cadeau? Oh. Ok, en fait, faut se servir d'eux. Très bien. Comment je vais faire? Ah, bah, comme ça. Ok, parfait. Merci pour la pièce rouge. Non, non, non. Je peux plus aller chercher deux derrière. Comment je vais faire pour m'en débarrasser? L'autre, il peut me foncer dessus? Faut les virer de là. Non, il n'y en a qu'un seul qui vient, c'est sérieux? Je vais jamais pouvoir aller en bas. Ok, j'ai plus... Ah, j'ai plus beaucoup de batterie, non! Oh, j'ai plus beaucoup de batterie et en plus, j'ai plus beaucoup de vie. Ah là 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 là. Ils vont m'avoir. Non, non, ils mourront pas. Ah, si! Ouh là là. C'est horrible ce truc. Qui a inventé ce niveau? J'aurai pas le max de vie, hein, c'est certain. Faut que je reprenne une tenue après. Ah ouais, mais attendez, mais ça, c'est pas avec un œuf que je vais le faire. Ah, c'est bon, il nous ordonne. Merci. Mais partout, là, durant tout le niveau, il va y avoir que ça. Il faut tous les tuer, non? Je sais pas. Ouais, non? Ah, j'ai compris. J'ai trouvé. J'ai trouvé, mais... Faut qu'il me la donne. Voilà, parfait. Ouf, il la faisait pas sortir. Y'a rien qui va dans ce niveau, c'est ouf. Je ne vais pas rechercher deux en haut. Ah si, parce qu'il va tomber, là. Non, il tombe pas. Non, là, il tombe pas. D'habitude, il tombait... C'est chaud. Il va arriver, lui? Ouais, là, il y en a un. Il y a un truc derrière lui, probablement. Hein. Ouais, il y a plein de trucs derrière lui, il n'y a pas un truc. Là, il y en a un autre aussi. Oh là là. Parfait. L'autre, comment on va faire aussi? Il faut l'attirer de la même façon. Viens là, je suis là. Allez, je suis là. Allez, attaque. Ouf, parfait. Mais comme j'aurai pas toutes les vies, va falloir que je le refasse de toute façon ce niveau. Oh, puis pour trouver les Poochies, ça va être ultra stressant, vous allez voir. Ah. J'en ai douté. Ok, c'était sûr. J'ai pas pu la voir parce qu'elle était derrière lui. Non, 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 sérieusement? What? Sérieusement? Il était dessus! Et ce débile, il est même pas venu vers moi! Ah, j'ai loupé une fleur n'importe comment! Allez, viens, il y a un truc derrière toi, c'est obligé. Ouais, mais attendez, mais t'es pas assez venu, toi. Attends, viens. Ouais, allez. Vas-y, donne un coup.
Oui, mais d'accord, il y a des trucs, mais il y avait que ça, sérieusement. Sérieusement. J'ai pris tous ces risques pour ça. Pour genre 9 pièces qui servaient pas à grand chose. Oh là là, non, 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 non. Je suis vraiment dégoûté pour la fleur que j'ai loupée. Parce que je pense que je vais la voir la dernière. Hein. Elle doit être là, non? Oh, ça va s'arrêter? Ok, elle est là. Ouais, là. Ok, oh non, trop dommage. De toute façon, faut que je le refasse, comme je l'ai dit, j'ai pas assez de vie. En fait, faut pas paniquer quand ils te suivent comme ça, parce que de toute façon, au moment où ils te donnent des coups de hache, ils sont obligés de s'arrêter. Donc comme ils sont obligés de s'arrêter, ils peuvent pas... Enfin, ils peuvent pas te toucher, en fait, en vrai. Le seul problème, c'est quand t'essayes de passer au-dessus d'eux. Ça, genre... Faut avoir un timing assez précis, je pense. En fait, je pense qu'il faut les laisser taper, et une fois qu'ils ont frappé, là, tu peux leur sauter au-dessus. Parce qu'ils ont un battement avant de pouvoir refrapper. Enfin bref, il nous manque quand même la fleur, qui est un peu chaud à voir, et Lévi. Et Lévi, j'étais très loin, j'avais que le quart de ce qu'il fallait, donc c'est un petit peu bof. Hein. Nocturne au musée. Ah, c'est la nuit au musée. Oh, c'est nul ce film, la nuit au musée. Oh, c'est ouf. Je sais pas si vous aimez le film La nuit au musée, mais oh là là, j'avais trouvé ça tellement nul. J'avais vu le 1, et j'ai même pas voulu voir le 2, tellement c'était nul. Enfin... What? Ah! Et de... D'accord, ok, j'ai compris. Ok, mais on est en train de dévaliser ou quoi? Ah, il y a une statue de Pucci. Bah, reviens, qu'est-ce que tu fais? Voilà, parfait. Ah, ah. Qu'est-ce que ça visait? Je sais pas, j'ai l'impression que ça visait des trucs, mais je sais pas quoi. Allez, remonte, remonte, remonte. Parfait. Il y a même un portrait de l'espèce de sentinelle, je sais pas comment elle s'appelle, mais... Oh, salut! Tu me fais pas peur, toi. On va le tuer quand même. Oh, il nous donne des trucs! Mais attendez, mais j'aurais peut-être pas dû aller là maintenant. J'aurais peut-être dû continuer en haut. Ah mince! J'ai peut-être loupé des trucs, en fait. Je pensais que c'était une salle bonus, en fait. Je pensais pas que c'était la suite. Mais là, comment on y va? Ok, les bobos. Salut. Ouf, je suis allé un peu vite. J'ai du mal à saisir. Ah bah, je sais, je suis en train de dévaliser. C'est normal qu'on m'ait vu. Ouf. Ouais, bon, les sentinelles sont pas très très efficaces. D'accord, ok, mais il me court après quand même. Mais attendez, mais j'ai loupé des trucs en haut, c'est n'importe quoi. Je pensais que c'était un passage secret. Ah, dommage. Bon, bah, eh bien, tant pis, une fois de plus. Allez, en bas. Il n'y a rien à gauche. Ah, si, il y a ça, mais ça suffit. Oh, le dinosos. Mais Yoshi, c'est un voleur. Ah, je savais pas, tiens. Oh, oh, d'accord. Très bien. Enfin, très bien, relativement pas très bien, en fait. Oh, il y a un truc... Mince. Il y a un truc planqué derrière. Et le bouton, en plus, il est super loin, là. Donc, si tu te loupes... D'accord. Si tu te loupes, tu dois faire sacrément demi-tour. Ça va être chaud de l'avoir, le machin, derrière. Mais attendez, mais il se planque à... Je sais pas comment je vais l'avoir, là. Oui, oui, je suis plus là. Mais comment on va faire? Ah bah attendez, mais ouais, mais d'accord, mais il était super mal synchro tout à l'heure. Ok, très bien. Je vais me mettre là et je vais attendre qu'il vienne. Hein. Non mais... D'accord, on va essayer d'y aller un petit peu plus loin. Oh non! J'y allais trop vite. Et en plus, il y a des pièces rouges, donc ça ne servait absolument pas à rien. J'ai bien fait de m'en occuper. Ah, j'ai loupé la première fleur. D'accord, ok. Je pensais pas avoir été aussi mauvais, mais effectivement... En plus, je m'en rends compte, genre, super longtemps après. Il y a que moi pour faire ça. Ah, ah. Ah non, 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 non. Parfait. J'ai eu peur. Ce truc-là, c'est tellement stressant. Ça, on peut pas les avoir. Pourquoi il y a un bobo, là? Ça sert à rien. Non, il y a rien. Ok. Oh non. Oh non.
Ok, le bouton était pas loin. Heureusement. Mais là, attendez, le truc il est mal placé parce que ouais, ils vont me tomber dessus les mascasses. Ok, on avance. Faut leur passer par au-dessus. Mais il y a forcément un truc aussi là, non? C'est peut-être un petit peu trop difficile pour qu'il y ait un truc. S'il y a des trucs de l'autre côté. Ah, dommage. Attends, déjà, il y a ça. Merci, Davy, j'en ai bien besoin. Je fais que d'en perdre. Allez, je vais ramasser quand même. Rien d'intéressant. Comme d'habitude. Il met trop de temps à disparaître, c'est trop bizarre. Je pensais que ça allait être instant, mais non. Par contre, ils sont pas très très malins comme sentinelles, hein. Vraiment. Oh non! Et ils ne nous oublient plus, hein. Ah, ils sont peut-être pas très malins, mais ils sont un petit peu agiles quand même, hein. Ah, ils ont pas de soucis pour monter et tout. Ouais, d'accord, ok, très bien. Bon, bah alors on va plutôt l'appuyer sur le bouton, ce sera mieux. Voilà. J'aime pas mal les thèmes là de ce monde. Ils sont quand même cool. Et ils jouent tous avec la lumière, c'est assez stylé. Faut descendre. Non, j'aurais pu me permettre de ne pas descendre. Ah, d'accord, très bien. Bon, c'est pas grave. Le problème, ça va être les bobos. C'est pas grave, c'est pas grave. Allez, la fleur, merci. Enfin, les fleurs. Ça va être gênant. Ah, bah, c'est pas grave, je peux aller dans la lumière de toute façon maintenant. Sans souci. Vu que je les ai déjà activés. Mais l'alarme reste vraiment pour toujours. D'accord. Non, non, c'est juste là, c'est juste là. Ouf, parfait. Oh, ça les a transformés en cœur. Merci. Merci, Dieu, merci. Où est-ce qu'elle est? Elle est dans l'avant-plan. Elle est dans l'avant-plan parce qu'il avait commencé à s'enfuir, je crois, au moment. Ah. Le petit bug. Bon, c'est pas un gros bug gênant, mais c'est marrant. Oh, il y a un pot de fleurs. Ce pot de fleurs, c'est une référence au premier Yoshi's Island. Il y avait un boss qui était dans un pot de fleurs comme ça. Il y avait un monde où il y avait que des pots de fleurs et il y avait un boss, c'était justement le... Enfin, un fantôme qui était coincé... Enfin, qui était caché dans un pot de fleurs. Je sais plus comment il s'appelait. Il était stylé, fallait le pousser dans le vide. Oh non, oh non. D'accord, je suis un très mauvais voleur, hein, je pense que vous le voyez, effectivement, moi, si un jour vous avez le plan de dévaliser quelque chose, ce serait bien de pas me demander, en fait, parce que, si, vous pouvez demander si vous voulez tout faire foirer, mais, d'accord, si vous voulez y arriver, vaut mieux pas me demander, en fait. Oh, puis ils peuvent sauter, d'accord, très bien, vas-y, c'est bon, au revoir. Allez, on descend, on va faire attention, on attend un peu pour monter, voilà. C'est parce que je vais trop vite, en fait, ça le problème. Oh, très bien, très bien. Là, je m'en suis bien sorti. C'est normal, hein, je finis par le connaître à force de mourir tout le temps. Enfin, pas de mourir, mais de recommencer. Oh là là, non. What? Comment j'aurais pu faire? Ah ouais, mais non, mais il faut appuyer sur le bouton, ouais. Ah bah oui, mais non. Mais non. Mais non. Mais sérieusement. Mais c'est quoi ce timing bizarre? Allez, on redescend. Là, je crois qu'il faut juste se dépêcher, là, non? Mais on peut tout faire, on a le temps. Ah, on peut se cacher là, d'accord. Par contre, il y avait des œufs qui ont bougé, mais le musée, il s'en moque un peu de ça. Les œufs, c'est pas grave. Alors ça va être gênant. Attendez, il y a peut-être un truc... Oh là là, ah, non, 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 non. Je me suis dit, il y a peut-être un truc derrière. Bah, écoutez, on n'a pas le temps de vérifier. Ouh là 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 là. Ouh là 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 là. Comment j'ai fait pour pas me faire toucher? Je ne sais pas, mais j'y suis arrivé. Aussi étonnant que ça puisse paraître. J'ai failli être encore une fois trop rapide. Il me gêne le petit masque casqué en bas. Il est assez énervant. Ok, y a rien. Donc j'allais là pour rien. Oh non, non, non. C'est pas grave. Tant pis. Très bien. Ouf. Ah non, non, non. What? Ok, ça s'arrête là, ça me va. Attendez, ah, mais y'a un truc. Ah, ok, non, c'était juste une petite pause. On s'en moque. Va falloir essayer d'avoir ce... Attendez, on en est où des fleurs? Ah, on a toutes les fleurs. Pièce rouge, il en manque une. Ça doit être un paquet cadeau dans l'arrière-plan. Vous m'avez dit qu'il y avait des paquets cadeaux dans l'arrière-plan dans tous les niveaux. Et là, dans celui-là, bah, effectivement, j'ai pas fait attention. Parce que j'étais un petit peu trop en train d'éviter les trucs. Ouais, ça doit être ça. Ça doit être ça. Donc, si je comprends bien, en fait, quand j'arrive à la fin d'un niveau et que j'ai 19 pièces rouges, c'est normalement que j'ai loupé un paquet cadeau, parce que généralement les pièces rouges elles sont pas toutes seules, ça arrive qu'elles soient toutes seules, mais la plupart du temps elles sont quand même par 2 et 3, sauf dans les paquets cadeaux, où là pour le coup elles sont toutes seules, enfin parmi plein d'autres pièces, mais pas plein d'autres pièces rouges.
Enfin bref, là ça est... c'est difficile quand même d'avoir les fleurs dans ces niveaux. Hein. Ce monde, c'était pas donné quand même. Hein. On a le temps d'en refaire un? Cette vidéo sera peut-être un petit peu plus longue que d'habitude, mais c'est, c'est les vacances pour deux tiers d'entre vous, donc allez, on va faire l'usine de monsieur... J'allais lire monsieur Pigeon! Non, monsieur Pignon. C'est monsieur Pigeon, c'est moi. Je serais au courant s'il y avait une usine à mon image. Et comme ça, dans le prochain épisode, on pourra directement aller rechercher la gemme. Je sais pas si ce sera tout de suite le boss ou pas, mais... ah ouais, si, il y a moyen que ce soit tout de suite le boss. Bon, c'est pas grave, on ira tout de suite au boss, dans tous les cas. Je pourrais prendre le Yoshi vert si j'y pense. Si j'y pense comme ça, on verra s'il passe le relais à quelqu'un ou s'il va directement poser la gemme. Enfin bref. Ok. Il n'y a pas l'air d'avoir tant de fleurs que ça. C'est bizarre, mais en fait, le nombre de fleurs qu'il y a dans les niveaux, ça indique absolument pas la taille du niveau. Hein, parce que des fois, t'as genre 11 fleurs et des fois, t'en as 5. Et pourtant, les niveaux sont quand même très longs. Mais c'est bien, c'est bien. Ok. Et je trouve que c'est pas une mauvaise idée justement qu'il n'ait pas caché le même nombre de fleurs dans chaque niveau. Parce qu'en fait, sinon ils se seraient forcés, genre si par exemple ils avaient dit on cache 11 fleurs dans chaque niveau, et bien ils se seraient forcés finalement à cacher des fleurs dans des endroits qui auraient été un petit peu nuls, un petit peu trop faciles, parce que justement il fallait les mettre. Alors que là, vu qu'il y en a quand même un petit peu, enfin, vu qu'ils peuvent se permettre d'en mettre moins, en fait, ils sont beaucoup plus libres, et je trouve ça quand même bien plus cool. Par exemple, dans New Super Luigi U, je sais pas si vous vous souvenez, mais il y avait des pièces étoiles. C'est une blague quand même. Genre, ils auraient mieux fait de pas les mettre, quoi. Et ils les ont mis quand même parce que, bah, de toute façon, ils avaient pas le choix. Fallait qu'ils en mettent 3 dans chaque niveau. Mais pour le coup, oui, il y en a qui auraient pu être évités. Enfin. Là, c'est bien comme système, en fait. Et je me demande s'ils vont nous ressortir un Mario de plateforme. Ce serait bien qu'ils nous... Ok, qu'ils nous en sortent quand même à un moment. Enfin, un Mario de plateforme 2D, là, parce qu'on a eu Mario Odyssey, je sais, un Mario de plateforme 3D, mais un Mario de plateforme 2D, on n'en a pas eu un vrai sur Switch. Après, on n'a pas eu sur toutes les consoles de Nintendo, hein, la 64 et la GameCube n'en ont pas eu, par exemple. La Game Boy Advance non plus. Enfin, je veux dire des jeux de plateforme Mario 2D originaux, hein, je parle pas des remakes, bien sûr. Mais, ils vont peut-être jamais en faire, mais ce serait cool, quand même. J'aimerais bien, justement, que ce soit pas un New Super Mario Bros... Switch ou quelque chose comme ça, mais genre un tout nouveau truc, genre qui réinvente un peu la formule, ce serait cool. Parce que New Super Mario Bros, c'était bien, à l'époque, quand ils ont fait le premier, maintenant, c'est bon, quoi, ça commence un peu à... Enfin, c'est un peu toujours la même chose, donc ce serait bien de changer un peu. La lave va monter, non? Je pense que la lave est déjà en train de monter. Donc on va pas attendre en bas, on va se dépêcher, on va faire aussi vite qu'on peut. Oula, non, non, ouais, très bien. J'ai l'impression d'être quand même très rapide, hein. Je sais pas ce que vous en pensez, mais j'ai l'impression d'être assez rapide. Et là, genre, la lave, elle va me rattraper, je vais pas comprendre. Non, remets-toi! Oula, oui, oui, la lave me rattrape. La lave aussi est très rapide, en fait. Ok, pas de pièce rouge, c'est pas grave. Oula, là, non, non, non. Très bien, j'ai eu peur. Oh non, un œuf de gâché! Bon, ce n'est pas grave. Il n'y a pas un truc en hauteur? J'avais cru voir un truc en hauteur, non? Pas du tout. Pas du tout. On n'a pas loupé de fleurs. Peut-être pas de pièces rouges, j'en sais rien. Ah, mais faut pas que j'oublie le cadeau. Ça m'énerve, ça. Le cadeau, à chaque fois, je fais pas attention. Si vous les voyez, d'ailleurs, n'hésitez pas à le dire dans les commentaires. Oh, il y a un Arato. Qu'est-ce qu'il fait là? Salut. Ah, ça va être difficile de le toucher, le Arato. Mais pièce rouge. Voilà. Ça va être très difficile de le toucher. Effectivement. Voilà, c'est bon. Et je pense qu'on va nous demander de le retrouver. Hein. Ouh là là, non, 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 non. En plus, c'est un gros truc de lave, quoi. Ok. Ah, ça... D'accord, très bien. Ça peut ricocher sur la lave? Je ne suis pas tout à fait sûr. Hein. Je dirais que non. Ah oui, bon, d'accord. Puis en plus, ça, c'est un mur. C'est pas un mur, c'est de la lave. Ah ah, très bien. On en a bien, effectivement, pas loupé. C'est cool. Ah là, il y a des pièces rouges, mince. Bon, tant pis. J'essaye de faire attention au cadeau. Je regarde de plus en plus dans l'arrière-plan, mais je l'ai peut-être loupé. Hein. C'était peut-être au début du niveau. Hein. C'est possible. Allez, voilà les pièces rouges. Il n'y en a que 2, mais c'est déjà ça. Ça doit pouvoir nous tuer en un coup. Donc on fait gaffe. Ah, le cadeau il est là. Bah, c'est bien, j'ai pas 2. Non, mais c'est une blague. Ok. Bon, bah on va avancer. On fera demi-tour quand on aura un 9. J'adore ça. Ah ah ah. On en a un, mais il y a un truc aussi à voir là. C'est une blague. Non, mais sérieusement. Quand je reviendrai, il sera plus là en plus. Ouais, calme-toi, calme-toi, calme-toi.
Ok. Comment je vais faire là? Juste comme ça. Tout simplement. Ok, je m'attendais à un truc un petit peu plus complexe, mais non. Donc là, ouais, les trois pièces rouges qui restent, il y a moyen qu'elles soient ensemble à un endroit. Hein. Ok. Non, mais je vais faire la même chose là. Je vais attendre d'avoir un autre œuf pour pouvoir refaire demi-tour. Ah, il y en a un là. Oh non, mais sérieusement! Les œufs, franchement, ils se sont trompés quand ils ont fait le jeu. Hein. Ils auraient peut-être dû un petit peu plus tester le truc parce que genre il n'y en a pas assez de. Hein. On va pas faire demi-tour. Hein. On va imaginer que les pièces rouges qu'on a loupées, enfin que c'était pas des pièces rouges qu'il y avait dans le truc. En fait, j'ose pas trop monter parce que j'ai peur que la lave monte. Peut-être pas. Hein. Bon, on va faire comme si la lave ne montait pas. Je ne crois pas. Ah, les trois pièces rouges, elles sont là. Bah oui, bah alors pourquoi j'essaie d'avoir la dernière pièce là, on s'en moque. Donc finalement, j'ai... Ah, c'est juste les vies qui me manquent. C'était peut-être des vies pour le coup. C'était peut-être des vies, et dans ce cas-là, il y en aurait 5, donc c'est déjà pas mal, en fait, c'est ce qu'il me faut. Ah ouais, mais on peut plus faire demi-tour. D'accord, bon, tant pis, c'est pas grave. Dommage, dommage. J'aurais pu avoir tous les premiers objectifs à 100%, mais non. D'ailleurs, il n'y a plus de Sniffit dans ce jeu, parce que j'ai vu qu'il y a pas mal de mascasses là, qui ont des canons, et donc des mascasses qui envoient des boulets de canon. Mais normalement, les mascasses qui envoient des boulets de canon, c'est les Sniffit, quoi. Enfin, et là, j'ai l'impression qu'il n'y en a pas dans ce jeu. C'est un petit peu dommage, je les aime bien, les Sniffit, ils sont mignons. Enfin, mignons, je sais pas si c'est le terme, mais enfin, ils font partie normalement du lore de Yoshi. Attendez, on va de l'autre côté. Ah ah, des vies, des vies, des vies. Non. Ah oui, bon, c'est aussi bien. C'est aussi bien. C'est peut-être même mieux, en fait. Donc, ne nous plaignons pas. Ok, on monte. Puisqu'effectivement, je pensais que j'avais toutes les fleurs. Alors que non. Comment on va faire, là? C'est un petit peu mal fichu. Non, d'accord. Oh là, non. Ok, j'ai réussi à retomber. Pourtant, j'avais appuyé sur le bouton A. Mais j'étais en train de faire mon flutter jump, là. Des vies. Oui. Oh, c'est super sympa, là. Il voulait vraiment que j'ai l'objectif, quoi, en fait. C'est parce qu'il y a un mini-boss. Ok, bon. Un mini-boss de lave, ça va être quoi? Tiens, un chomp? Encore toi, Grège, un peu plus de toi. Tu n'iras pas plus loin, tu m'entends? Je t'ai entendu, mais qu'est-ce que ça va être? Pas un bobo géant, il y avait un bobo géant dans... Ça a l'air d'être un bobo, non? Non, what, si? Ah! C'est pas tout à fait un bobo, mais ça y ressemble. Ouh. Oh oui, bon, ça se comprend, quoi. Faut rester là. Et je dois aller monter dessus, ou quoi? Je ne crois pas. On s'en va. Je dois peut-être lui monter dessus, non? Je sais pas. Je sais pas ce que je dois faire. Faut peut-être le faire tomber dans le vide, attendez. Ah! D'accord, j'ai compris. Faut lui retirer ses scotch en fait. D'accord. Qu'est-ce qu'il va faire là? Ok, il s'énerve. Mais il a plus de scotch là? Ah ouais? Ah mais attendez, mais quand il a pas de scotch, il va d'un coup comme ça? Ah ouais, d'accord, ok, ça c'est pas ouf. Qu'est-ce qu'il fait là? Il va se mettre à me rouler d'un coup dessus là? Ah non? Ok, très bien. Non, c'était le dernier là. Dommage. C'est chaud, hein. En fait, c'est un peu du hasard, quoi, parce qu'il faut que ça tombe bien. Oui. D'ailleurs, je ne sais même pas son nom à ce boss. Un petit peu une anecdote, quoi. Enfin, c'est un petit peu anecdotique, quoi, ce boss. Genre, il est apparu comme ça, il a pas de nom. Et... Non, mais, enfin, c'était... Voilà, c'était original. Mais ça sent un petit peu la fin, quand même, hein. Ça va pas tarder. Ah, mais c'était Monsieur Pignon! C'est ça, c'est lui, Monsieur Pignon! Ok, je pense, Monsieur Pigeon. Bref, eh bien, nous, les amis, on va en rester là pour cette vidéo. Ouais, là, il va y avoir un boss la prochaine fois, ça va être direct le boss. Qui sera probablement pas le boss de fin, je pense. Peut-être que si, je sais pas. On verra ça dans la prochaine vidéo. Donc les amis, si cette vidéo vous a plu, n'oubliez pas de laisser plein de pouces bleus, de commenter, de vous abonner. Et on se retrouve demain pour la suite de Yoshi's Crafted World. Salut.